Miam les gens, miam tout le monde, c'est Dacru au mic, et ouais dans ta gueule. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo de la Know You Rage. Aujourd'hui on va parler du nouveau DLC de Call of Duty Advanced Warfare, le DLC number 3, le DLC Supremacy, qui comptera bien sûr 4 nouvelles maps et un nouvel épisode d'Exo-Zombie. Sinon ce sera un petit peu la carotte, l'épisode carrière il s'appellera. Il sortira le 2 juin 2015 sur les consoles Microsoft, Xbox 360 et Xbox One, ainsi qu'un mois plus tard sur les consoles Sony, PS3, PS4, ainsi que bien sûr sur PC. Dans le fond, vous avez un gameplay de Monsieur Rage Trash, qui est un nouvel arrivant dans cette team, la Rage 3.0 on peut l'appeler, voilà, qui va nous faire une petite DNA au sniper Morse, Mir Vaisselle, c'est ça ? On va arrêter direct le délire. Voilà, donc sans viseur, la mire. C'est pas extraordinaire, mais voilà, ça peut faire plaisir, comme j'ai pas grand chose à vous dire sur ce DLC. Un petit gameplay sympathique dans le fond d'un nouvel arrivant. Tu peux lui souhaiter la bienvenue, bien sûr. Vas-y, va dans les commentaires, tu marques bienvenue, ça va vite. Tu peux mettre BVN, hein, ça suffira. Le lien de sa chaîne, bien sûr, en description. Bref, les nouvelles maps de ce nouveau DLC seront bien sûr prêtes à accueillir la nouvelle exo-compétence Grapple, le petit truc Spider-Man là, qu'on t'avait présenté là où tu peux monter au mur et c'est le bordel, n'importe quoi. Et eh bien bien sûr, il y aura des points d'accroche, des points d'accueil sur toutes les maps de ce DLC, donc tu pourras utiliser cette habilité, ne t'inquiète pas mon petit coco. Concernant ces maps justement, plus en détail, on aura la première map Parliament, qui sera située à Londres, on peut voir Big Ben et des architectures anglaises d'ailleurs. Ce sera une map de taille moyenne où le joueur donc pourra utiliser toutes les armes, fusils d'assaut, SMG, bouclier, sa bite et son couteau. Tout sera bienvenu dans cette map de taille moyenne qui sera située donc à Londres dans un port militaire anglais près de la River Thames, la Tamise comme on dit en français. Et le score streak spécial de cette map, ce sera un petit peu comme le Hellstorm de Black Ops 2. Un gros missile que tu balances et qui se divise en plusieurs petits missiles pour créer un barrage de petits missiles pour annihiler l'ennemi carrément, voilà. La deuxième map, ce sera une map Kremlin qui se situera en Russie. On voit le palais présidentiel russe, magnifique. Je sais pas si c'est le palais du tsar ou alors le palais présidentiel où Poutine est actuellement. Je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent. Dites-le moi en commentaire. Donc ça fait plaisir quand même, une map en Russie un petit peu enneigée et tout. Ce sera dans le quartier rouge, si vous connaissez en géographie russe. Une map de taille moyenne composée de trois lignes principales qu'on a l'habitude de voir un petit peu sur Call of Duty. Le score streak spécial de cette map, ce sera un champ de mine carrément. Un petit peu des IMS, tu vois, comme on s'en souvient tous sur Modern 3, les putains d'IMS. Et ben là, ce sera un petit peu des rayons laser qui arriveront à la moitié du match, par exemple, en domination vers 100 points, vu que ça se joue en 200. Et ben voilà, les rayons laser vont arriver. Et si t'as le malheur de toucher un petit rayon laser, et ben t'auras l'honneur de te prendre un petit IMS dans la gueule. Voilà. Donc je sais pas si les points iront à l'équipe adverse ou ce sera compté comme un suicide. On verra ça. En tout cas, voilà, une petite map. Enfin non, une map de taille moyenne, pardon, je vais pas dire n'importe quoi, en Russie. La troisième map, c'est la map Compound, qui sera un centre de préparation au combat par Atlas. Donc Atlas, bah, si vous avez fait la campagne, vous savez de quoi je parle. Qui se situera aux États-Unis, dans le Colorado. Donc voilà, c'est une petite map, et en plus de ça, symétrique. Donc vraiment, si tu fais le tour, voilà, tu la connaîtras par cœur. Ça peut devenir une map très intéressante. Et donc bah, il y aura forcément des combats très rapides et des duels très intenses, puisque voilà, c'est une petite map et que les SMG, les pompes et tout seront de la partie. La quatrième map, elle va faire plaisir à de nombreuses personnes puisque c'est le retour de la map Highrise, et ils se sont pas fait chier pour le nom, franchement. Ils l'ont appelé Skyrise et ils se sont pas fait chier non plus pour la modéliser puisqu'ils ont copié image pour image carrément la map, hein. Bien sûr, ils ont fait ça un petit peu plus futuriste, par exemple l'hélicoptère, etc. Mais franchement, dans la conception même de la map, on retrouve tous les souterrains, etc. Tout ce qui avait fait un petit peu le succès de la map Highrise. Et donc c'est vraiment sur la nostalgie qu'ils ont misé en voulant faire revenir cette map qui était la préférée, enfin non, l'une des préférées vraiment de Modern Warfare 2. Concernant l'Exo-Zombie, partie 3 carrière, ben franchement, je vais vous le dire, je joue pas vraiment à l'Exo-Zombie, donc je vais pas vous dire n'importe quoi, je vais juste vous dire ce que je sais, ce qui est sûr.
Les stars vont revenir, comme Bill Paxton, qui était déjà dans le dernier, qui avait joué aussi dans Titanic, Alien, Edge of Tomorrow, etc., et qui était déjà dans le dernier ExoZombie. Mais il y a aussi Bruce Campbell, par exemple, qui va arriver, qui avait joué dans Spider-Man 2, je sais plus si vous vous souvenez, le méchant, c'était Bruce Campbell, c'était le Docteur Octopus, voilà, avec ses tentacules dans le dos, là. Et ben voilà, il va arriver dans l'ExoZombie Partie 3, carrière. D'autres stars vont l'accompagner aussi, en étant modélisé carrément dans le jeu. Ça se situera dans un aéroport abandonné d'Atlas, je sais pas, ceux qui ont fait l'histoire de toute façon vont se souvenir, et si je dis des conneries, ben ils vont le savoir. Et en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que bah, il y aura des nouvelles armes dans cette troisième partie. Il y aura des nouveaux ennemis Atlas Strike Team, donc ça je sais pas, c'est vraiment si tu y joues, tu sais ce que c'est. Il y aura des nouvelles équipes de support Sentinelle, donc ça aussi c'est si tu joues, tu sais ce que c'est. Et il y aura aussi pas mal de nouveaux zombies ennemis, c'est-à-dire des nouveaux skins et des nouvelles attaques de zombies. Bref, c'était Check Da Crew, j'espère que ça vous aura plu cette petite présentation du nouveau DLC Supremacy en fond de gameplay Sterage Trash. N'hésitez pas encore une fois à aller checker sa chaîne. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit les gens, c'était Check Da Crew. Je vous dis à la prochaine sur la No You Rage Bitch. Allez, à plus les gens. Hunch, the passing out at the back of a taxi seat, always salivating liquor. Won't you go and do some homework? That cute shit, yeah, it won't work. Always drunk and hardly sober. And if that's the life that you wanna lead, that's fine by me.